Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo en attendant la sortie prochainement du premier épisode de notre série intitulée L'Optimiste 16, sorti le 16 septembre prochain à 7h heure de Paris sur la chaîne YouTube ou encore sur le blog qui motive, à savoir www.ludovicbezeron.com. Aujourd'hui, eh bien, on va parler de quoi ? On va parler de cette série documentaire et pourquoi faire un documentaire plutôt qu'un court-métrage ou tout simplement faire une simple vidéo. Alors, c'est vrai que dans l'absolu, j'aurais pu me contenter d'une vidéo explicative pour effectivement expliquer succinctement ma théorie, mais j'ai choisi de me différencier de tout ce qui existe déjà sur Internet en proposant effectivement 40 épisodes sur la révélation de l'Apocalypse, des prophéties de l'Apocalypse. J'ai voulu tout simplement approfondir chaque aspect des événements en vous apportant un maximum d'informations. Et je dois avouer qu'en effectuant mes recherches, en étudiant les éléments trouvés, en visualisant les documents vidéo que j'ai trouvés sur Internet, eh bien, j'ai été littéralement choqué par la concordance de toutes ces informations, soit entre elles, soit en rapport avec le livre de l'Apocalypse. Et c'est bien pour cela que j'ai choisi de vous offrir dans la durée, c'est-à-dire sur 40 épisodes, une explication plus abondante. Et puis, vous devez savoir que c'est également un choix délibéré que de mettre bout à bout mes travaux de découverte. D'une part, pour vous exprimer le plus compréhensiblement possible le résultat de mes travaux, mais également pour vous permettre d'en assimiler l'ensemble de mes connaissances, l'ensemble de toutes ces connaissances, car vous allez voir, c'est extrêmement fertile. Comme vous l'avez compris, chaque épisode représente à lui seul une dizaine de minutes de production, ce qui vous expose donc dans sa globalité à visualiser donc un certain nombre d'heures d'informations, et c'est pour cela que j'ai préféré le découper en petites séquences. Voilà. Ce qui est formidable, c'est que la plupart des arguments exposés donc dans ce documentaire sont enrichis de documents vidéo produits par moi-même ou provenant de d'autres personnes qui, comme moi, font des recherches, vidéo ou sonore d'ailleurs, ou éléments sonores, vous permettant de vous faire votre propre opinion sur la question. Alors, je vous donne rendez-vous dès le 16 septembre prochain à 7h, heure de Paris, pour un premier épisode de notre série documentaire intitulée « L'Optimiste C'est ». Pour l'heure, si vous êtes intéressé par ce projet, eh bien, je vous invite à visualiser la bande-annonce. Sinon, eh bien, je vous donne rendez-vous demain pour une autre vidéo. Ciao, ciao !